Autre image, autre rencontre dans cette édition entre des auteurs de romans et des élèves de 6e de l'institution Saint-Odile à Lambersart. Un rendez-vous qui a eu lieu vendredi à l'occasion du Salon du Livre qui va se tenir d'ici 2 semaines dans la ville avec près de 150 jeunes qui sont réunis pour des ateliers littéraires notamment au sein de l'école. Dans cet établissement scolaire, chaque année, un prix littéraire est décerné par les élèves, il faut le rappeler, avec aussi un club d'écriture qui se réunit tous les midis. Les professeurs donc mettent l'accent sur le français et sa mise en valeur à travers les mots. C'est une action qui, selon cette équipe pédagogique, séduit de plus en plus de jeunes. Explication complémentaire avec justement une des auteurs présentes pour parler de son livre auprès des élèves. Elle était au micro de Louis Caillé. C'est plutôt l'idée d'échange et de communication. Après, tout le monde n'est pas obligé d'aimer lire ou d'aimer écrire, mais voilà, ce qui m'importe vraiment, bah, c'est de montrer que finalement, et ça, ils ne le croient pas tous, tout le monde a de l'imagination, que l'imagination, ça se travaille, que les rêves qu'on a, parce que moi, c'était un de mes rêves d'enfance d'écrire, ben, on peut les toucher finalement et y arriver. Et voilà, avec l'écriture, d'une certaine manière, ben, c'est la liberté, parce qu'avec un crayon et du papier, ben, on peut inventer tout un monde, quoi. Si tu sais pas comment terminer, si tu retournes au début de ton texte. Et je sais pas ton texte, si tu l'as divisé en chapitres ou en parties. Ou... Voilà, mais retourne au début pour te dire, tiens, mon histoire au début, tiens, qu'est-ce qu'elle raconte?